Pour une toute nouvelle vidéo et la première série de 2017, non 2018 bien sûr. La première vidéo que vous avez vue, c'était bon, il y a eu les deux petits trucs qui sont passés pour 2017-2018. Il y a eu Clash of Clans, mais Clash of Clans était déjà une vidéo tournée. Là, c'est vraiment la première vidéo Let's Play que je tourne en 2018 et ça fait extrêmement plaisir. Alors on est sur un tout nouveau jeu, sur Clash Royale. C'est pas vraiment un nouveau jeu, mais sur ma chaîne c'est complètement une découverte. Alors je vais un peu expliquer ce que c'est Clash Royale. C'est en fait, c'est un système de cartes et de tours. Vous allez vite comprendre, et les systèmes de cartes, on peut améliorer les cartes. Voilà, si vous connaissez pas, mais généralement, je pense que vous connaissez Clash Royale, il n'y a aucun souci. Alors on va commencer par ouvrir ce petit coffre, 5 secondes, ça va aller vite. Et bien on va voir ce qu'on va pouvoir faire, hein. Juste fait un combat avant pour me connecter. Obligé, hein. Voilà. Alors, ah, on a la mousquetaire. On est parti. Alors, premier combat. Ouais, les cartes. Alors, on a des cartes qui spawnent en bas. On a de l'élixir. Et bien sûr, faut bien sûr défendre correctement nos tours. Mais il n'y a pas que nos tours. Donc, on doit attaquer les tours. Et eux peuvent mettre des obstacles. Comme par exemple, là, ils ont mis des gobelins. On va les dégommer en 3 secondes. Mais bon, c'est pas grave. Là, on joue contre un robot. Après, on jouera contre des vraies personnes. Ça va être beaucoup plus difficile. On va attaquer de l'autre côté. Ce qu'on appelle faire une diversion. Mais normalement, ça passera. Donc, il n'y a aucun souci contre des robots. Je m'inquiète pas. Surtout que moi, j'ai déjà joué avec Clash Royale. C'est pas mon premier compte. C'est pas mon. Très fort quand même. C'est pas mon premier compte, c'est pas ma première partie, c'est loin de là. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit coffre? Oui, j'ai un petit coffre, bien sûr, 5 secondes. On a encore deux épreuves à faire. On va faire nos preuves avant de vraiment jouer en ligne, hein. C'est un peu l'introduction. Et on a eu l'armée de squelettes, une carte que je joue très souvent. Sûr, on a plusieurs types, hein. Donc là, on a des normales. Et là on a un peu des, là c'est des rares et là ce sont des, bon, c'est commune, normale, rare. Après on a légendaire. Voilà, on a encore deux petits combats à faire. Les vidéos dureront pas très longtemps, hein, 10 minutes, un quart d'heure, gros maximum, parce que, bah, dites-vous que bah, c'est du Clash Royale, c'est pas non plus. Oui, on peut jouer tout le temps, mais bon. Alors, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est les ouvertures de coffres. Donc, chaque fois, j'essaierai d'avoir un max de coffres pour les ouvrir avec vous. Enfin, 4 coffres, hein, en l'occurrence. Et les ouvrir avec vous. Donc, voilà, c'est vraiment ça que je voudrais bien. Là, on va un peu défendre, parce que là, mine de rien, ils nous ont attaqué. Hop, ils viennent attaquer les soldats d'abord. Ça devrait le faire. Armée de squelettes. Armée de squelettes, ça va le faire. On va tuer des gobelins d'abord. Et puis, ça va commencer à attaquer. Voilà, là on a gagné, voilà, on a gagné. Voilà, 3 étoiles, enfin 3 trucs. Donc une tour vaut une étoile, sauf la dernière vaut 3 étoiles directement. Voilà. Ah, notre nom, on va marquer Pumat quand même. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut, voilà, on a vu Pumat. Alors, on va ouvrir ce petit coffre, parce qu'on a peut-être de quoi améliorer nos cartes. Et peut-être même une nouvelle carte qu'on pourrait peut-être jouer. Mais voilà, on peut améliorer des cartes. Alors, on peut améliorer ça. C'est pas mal ça. Hop, bon, après, vous allez voir, les cartes vont devenir très chères et tout. Donc, on va aller mollo. Mais là, je peux améliorer mes cartes. Ça fera. Ça fait plus de dégâts. Hein. Vous avez vu, là, je passe de 115 à 126. C'est ça, hein. 126, voilà. De dégâts. Donc, ça va. Ça a un peu plus. Ah, niveau 2. Alors là, j'ai passé très vite, mais le niveau 2, ça améliore nos tours. Ça améliore les vies en fait de nos tours. Donc voilà. Je sais pas comment encore que j'ai fait le layout et tout. Je pense mettre la. Enfin. Peut-être. Non, je verrai. Je vais pas vous spoiler. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais voilà, je vais rappeler mon layout.
C'est notre dernier combat hors ligne, après ce sera en ligne. Hein. Bien sûr, on peut mettre des petits émoticônes, mais on ne les a pas encore. Ça va arriver hein, d'ici tout peu, dès qu'on sera en ligne. Là, ça sert à rien de les mettre, parce que ben, on joue contre des bots. Donc, ce sera rien de les mettre. Donc, voilà. Hop, bravo. Donc, si vous avez un clan qui peut être intéressant pour moi, pour mes vidéos, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre clan et je viendrai peut-être dedans. Donc voilà. Alors, je fais aussi ça. Je vais jouer un peu hors ligne. Mais je jouerai pas en solo, je jouerai en double. Pour avoir des coffres pour moi les ouvrir avec vous. Voilà. Je jouerai en double et tout. Donc voilà, c'est juste pour un pas avancer en double pour avoir les coffres. Et j'ouvrirai les 4 coffres avec vous. Donc là, ah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On va attendre pour avoir le géant plus l'archer en même temps. Ça va faire mal ça. Bien sûr, le but est de faire des combos, donc combiner des parades en fait, faire des parades. Pas des parades genre Disney, hein. Non, faire un bus quoi. On appelle ça faire un bus, un combo quoi, sur le jeu. Donc voilà, là. Il ne peut plus rien faire, j'ai mon géant qui est lancé, je mets un chevalier derrière. C'est pas grave, le géant va faire le taf. Voilà. Ça va rien mettre autre chose. Parfait. Hop là. Et ben voilà, maintenant je pense qu'on va pouvoir jouer en ligne. Ah, oui, ok, oui. Et voilà, donc là il faut attendre des 3 heures. On a un système de quête ici. Donc là on a des trucs gratuits. Et là on doit jouer 80 troupes dans des combats CC, enfin un CC. Voilà, là on a une nouvelle quête dans 8 heures. Voilà. Et là ce sont des coffres gratuits qui arrivent régulièrement. Et alors ça nous donne des petits points qui vont nous donner des coffres, donc des coffres au-dessus. Donc là il faut 50 points pour avoir un coffre en or. C'est pas grand-chose. Donc voilà, alors on a bien sûr un système ici. On peut voir des trucs gratos. Et ici, on peut acheter des cartes. Voilà. Et on peut acheter des coffres avec les gemmes. On va pas le faire, je n'ai que 110 gemmes. Là, c'est notre deck. Là, c'est toutes les cartes qu'on doit avoir. Donc voilà. Toutes les cartes qu'on doit avoir. Je pense que dans le layout, je mettrai la carte que j'ai pas le plus utilisée durant la vidéo. Mais je sais pas, je verrai quand je vais faire le layout. Mais on verra. Alors, des trucs de couronne, enfin un coffre de couronne, ça c'est quand on a. C'est les couronnes, donc les trois couronnes, etc., etc. Et on va pouvoir se classer parce que ben, on a des arènes. Voilà. Là c'est l'arène du camp, donc c'est un peu. Les cartes que vous voyez là, c'est les cartes qu'on peut débloquer dans l'arène. Là, c'est les cartes qu'on peut débloquer dans cette arène, etc., etc. Bien sûr, il faut 400 de trophées pour accéder à l'arène 2. Donc là, on est toujours à l'arène 1. Donc ça va aller assez rapido, hein. Vous allez voir, on va jouer. Là, on joue contre des vraies personnes. On joue contre des vraies personnes. On a même les petits emoticons pour mettre ça, hein, pour se marrer. Et là, ça joue beaucoup plus stratégique vu que c'est contre des vraies personnes. Parce que là, il me fait déjà bien mal avec son bébé dragon. Hein. Mais bon, je suis en train de faire une contre-attaque qui m'a détruite. Mais on va attaquer encore une fois, de l'autre côté. Voilà, on met aussi par là. Et on y va. Ça va être assez chaud. Parce qu'en ligne, c'est très chaud. Surtout au début, on n'a pas des grosses cartes. On n'a pas les mêmes cartes qu'eux. Donc voilà. C'est un peu plus chaud. Mais bon. J'aime bien jouer directement en ligne, donc on va peut-être perdre ce combat. Je vous garantis pas qu'on gagne ce combat, mais je vais faire mon maximum, hein, mais faudrait que je joue encore un peu en hors ligne pour avoir des bonnes cartes. Parce que là, il m'a détruit correctement. Voilà. Là, j'ai eu bien bien mal. Et ça, malheureusement, ça fait pas plaisir. On va mettre ça. On va essayer d'aller forcer de passage par là. Ah, il me le cale. Ouais.
faire ça en objet. Voilà, on va détruire tout. Alors, on va essayer maintenant de d'économiser un peu d'élixir pour lancer une grosse attaque. Ce qui va pas être facile. Mais dès que j'aurais peut-être lancé. Ouais. Encore et encore, 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 encore. On va lancer ça. Plus ça. Et tout en va de caler avec ça. Voilà. Vous avez vu, là j'ai calé. Et là on a un double élixir. Donc là on va essayer de faire un bus pour attaquer. Mais là il a aussi mis un bus lui. Donc ça va être assez chaud. Ah il m'a retiré une, il m'en a mis une. Je vais lui en mettre une aussi mais il m'en a mis deux. Donc ça c'est pas bon. Donc là je vais vite attaquer avec ça. Ainsi j'ai une étoile, enfin j'ai une couronne mais ça suffira pas. Voilà. Maintenant il faut essayer d'aller attaquer la deuxième tour pour faire une égalité. Mais ça va être très chaud, hein. Ouais, là on a perdu, hein. On va être bien joué. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus trop attaquer, on n'a pas de carte qui pourrait le surpasser et tout, donc là on ne savait rien faire. Désolé. On a perdu, mais on ne pouvait totalement rien faire. Mais on a eu 23 troupes. C'est pas mal. Donc on va recommencer un combat. Donc voilà, on va refaire, hein. Voilà, on va essayer de gagner celui-ci. 6, 6, 9. Il me faut 9 d'élixir et là je fais un méga bus. C'est bon. Ok, il a lancé ça truc, ce qui était pas bon pour lui. Parce que moi je lance ça. Et ça, mine de rien, ça peut faire extrêmement mal. Parce que là j'ai fait un méga gros combo. Donc voilà, il a même pas eu le temps. Son truc n'a même pas eu. Enfin, son lâcheur de bombe n'a même pas eu le temps de spawner en fait. Son bombardier n'a même pas eu le temps de spawner. Je l'ai déjà tué. Donc là, là j'ai gagné. Techniquement, j'ai gagné. Voilà, il peut plus rien faire. Même poser ça pour le lol. Voilà, là je l'ai défoncé. Là c'est vraiment défoncé. 3 étoiles. 30. Et voilà, on a eu un peu d'or. Ce qui est bien. Voilà, on va voir un peu ce qu'on a d'autre. Hop. On va peut-être. Est-ce que je peux améliorer? Non, je peux pas améliorer. Mais si je fais ça, attends. Je vais retourner ici. Pourquoi je voudrais bien revenir ici? Je vais arrêter une ici. Pas grave, j'aurais voulu aller dans l'autre pour avoir les cartes, mais on va les avoir ici, vous inquiétez pas. Là je lance une dernière partie, puis on arrêtera là, je pense, pour aujourd'hui. Hop, je pense qu'il y aura une vidéo d'ici, peut-être pas demain, mais après-demain, parce que il faut donc que j'ouvre les coffres, hein. Et ainsi, on va pouvoir jouer. Bon, là, il a le prince fait horriblement mal. Il enlève 200 PV par 200 PV. Donc on va essayer de le battre très rapidement. Lui c'est bon, il est mort. Mais il y a le bombardier derrière. Et des archers. Allez, tuez-les ainsi. Je vais mettre ça ici. Ça va être assez chaud ici. Encore très chaud. J'ai pas encore de bonnes cartes comparé à eux. Eux ont déjà le bébé dragon. Bébé dragon, c'est une carte assez puissante. Voilà, bon. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il relance son prince. Et le prince, quand il est en mode furie comme ça, il fait beaucoup plus de dégâts. Là, j'ai perdu, je peux plus rien faire. À moins que je le tue, mais non. Voilà. Quant à le prince, au début, c'est pété. Donc voilà. Bon, j'ai pas perdu de... perdu mais c'est pas grave hein. Donc voilà, je pense peut-être que même demain vous allez peut-être avoir une vidéo, on verra bien. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire comme layout, mais il va être bien, vous inquiétez pas. Allez, sur ce moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye.